Allez, c'est parti. Finale à présent, minime 2 pour cette Coupe d'automne ici sur la piste des Aubiers avec le Stade Bordelais SPTT Biarritz pour le club d'Anglette, Axel et Savard. Pour le CCSD Nicross et on peut dire aussi je pense au Stade Bordelais SPTT Biarritz, Jérémy Motzen. Pour le Stade Bordelais BMX également, et là on va entendre du bruit je pense, Nathan Caillot. Dominique, on t'a entendu. On t'entend toujours. On t'entend toujours. Pour le club d'Artigues à présent, Nathan Boudic. Le terrible 53B. Eh oui, 53B. Eh oui, Nathan, 53B, c'est une célèbre plaque aussi. Pas célèbre. Et le propriétaire de la plaque, il est à côté de moi. Il s'appelle Bastien. Ah, j'ai des bonnes photos. Parfait, merci. Tu l'as sorti avant. Allez, pour Cavignac à présent, Quentin Régondeau. Pour Cavignac encore, Sébastien Lacroix. Pour le Stade Montois et la team Bicycle Motocross, Julien Cavado du Mur. Et pour le Stade Montois et également la team Bicycle Motocross, Tom Mardel. Monsieur, c'est à vous, silence, s'il vous plaît. Et là, ça ne sera plus bon parce que là, là, il y a du podium. C'est parti. C'est la plaque de 303. C'est Jérémy Motzen. La capille, oh là, la chute. La chute, donc, dans ce deuxième virage. Jérémy Motzen, donc, qui a pris la tête. Juste derrière lui, nous retrouvons, je pense que c'est Nathan Caillot. Nathan Caillot pour le stade de BMX. Et en troisième position, Julien Cavado du Mur. Pour le stade Montois, Jérémy Motzen, là, donc, avant-dernier virage. Suivi par Nathan Caillot. Et donc, c'est bien ça, c'est la plaque numéro. C'est bien ça, c'est Julien Cavado du Mur qui va être sur le podium. Jérémy Motzen, 1. Nathan Caillot, 2. Julien Cavado du Mur, 3.